Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode. Non, ben, il sait plus parler. Allez, fail point. Ok, et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mind Test for Fun, les amis. J'espère que vous avez la forme, vous êtes au taquet et tout, que vous êtes bien installés. Moi, ça va au top. Je me suis bien amusé ce matin puisque je suis parti en délire sur tiens, je vais commencer à naturaliser un peu cet emplacement. Ça fait un moment que je voulais le faire, hein, vous le savez. Je vais essayer de décorer toute la falaise pour la rendre un peu plus naturelle parce que là, ça fait quand même un peu bloc de béton armé. Et j'ai commencé tranquillement ce matin et franchement, regardez-moi ça. Moi, j'aime bien le concept. Peut-être que quand on est ici, ouais. Ah, c'est pas sympa le mec. Quand on est ici, franchement, ouais, un poil plus haut, c'est peut-être pas encore au top du top, je trouve, par là. Mais quand on est plus bas, et c'est là qu'on sera le plus souvent, par exemple ici, mais regardez-moi ça, c'est. Moi, je trouve ça assez génial. Ça fait vraiment une petite, petite rivière qui vient d'en haut, puis qui coule comme ça au fond de son. Cette espèce de mini-vallée encaissée qu'elle a creusée. Faut juste que je finisse un petit peu 2-3 détails. D'ailleurs, j'ai modifié 2-3 petites choses depuis le timelapse. Mais rien d'exceptionnel, hein. Par exemple, vous voyez, j'ai mis un petit coude qui va bien là. On va juste peut-être faire un petit trou en plus. Voilà, je pense que ça peut être mieux comme ça. Ah, mais il y a une source juste là. Ok. Comment je fais ça, moi? Ah bah voilà, on va décaler la source d'un cran, puis c'est bon. Parce que j'ai dû rajouter des sources ici ou là. Au début, je pensais juste en mettre une en haut, mais en fait, c'était pas fabuleux. Voilà. Et là, ça va bien. Nickel. Et puis, bah, comme vous voyez, ça descend jusqu'en bas. Et notre petite rivière rejoint la mer. Elle est contente. Bonjour, c'est ici la piscine. Oui, bonjour, madame, la chaise vide. C'est bien ici la piscine. Oui, parfait. Ok, combien ça coûte pour entrer? Ah, l'idée derrière, ok. Lancer un copper coin est passé. Ok, alors on va lancer un copper coin. Boum. Et là maintenant. Tadam! On est passé. Il y a juste. J'ai oublié de mettre le volume du son, tiens. Voilà. Ça sera mieux. Alors que je vous explique un petit peu ce qui se passe quand même. On va ressortir. Yes! Alors, je vais vous montrer un petit peu tout ça. C'est quelque chose que j'ai fait en fait en vidéo et j'ai un petit peu galéré sur faire un système correct. Et du coup, je me suis dit que j'avais meilleur temps de ne pas vous le montrer en vidéo, mais de repasser après coup en fait pour vous le montrer. Alors, simplement, c'est un truc au final qui est assez simple. Ce qui se passe, c'est que le mec est là, il lance sa pièce de cuivre. Si c'est bien une pièce de cuivre, parce qu'on va encore vérifier ça, ça arrive là-dedans et ça part vers le jaune. Sinon, ça va partir vers le vert, savoir ce que j'ai appelé les objets trouvés. Hein, vous voyez, là, il y a les restes de ce que je viens de casser comme bloc. C'est logique, hein, puisque le tuyau aspire à une certaine distance, quand même, 4 mètres. Voilà. Donc, si c'est bien une pièce de cuivre et pas autre chose qui est détectée, elle va descendre jusque-là. Et puis là, elle va envoyer grâce à. C'est un détecteur pipe. Si je me trompe pas sur le nom, signal, je sais plus. Bref, elle va envoyer un petit signal qui va dire, grosso modo, à la porte, hey, ouvre-toi. Mais c'est pas tout. Parce que si on dit juste à une porte, à la porte du fond, là, de s'ouvrir, ben ça veut dire que tout le monde peut passer. Donc il faut que ça fasse juste une impulsion et qui dure un certain temps et pas plus. Et en plus de ça, il faut fermer. Fermer les portes derrière la personne qui passe. Alors bon, d'accord, on peut se mettre à deux ou trois hein, pour passer, mais on va partir dès qu'il n'y a qu'une seule personne qui vient à la fois. Donc, pour ça, on a un système de timer qui est juste ici où en fait on va juste agrandir avec ces delayers le temps que va durer l'émission du truc. Et ensuite, bon, notre petite pièce, elle part dans un coffre qui va bien sous le bureau. Ça va à la caisse en fait. Et puis comme ça, ben, ça permet d'avoir un système complet qui fait
Tout ce qu'on a besoin. Sauf que maintenant, moi, j'aimerais encore pouvoir dire, ok, je paye, je rentre, mais après, je veux sortir. Comment je sors? Et là, bah, je pense que vous avez peut-être vu, j'ai appuyé sur le bouton là pour sortir. Le bouton là, en fait, il va juste envoyer un petit signal pour faire comme si une pièce est détectée, une pièce avait été détectée. Sauf qu'on a encore un dernier problème, c'est qu'on veut pas que le mec il soit là et qu'il regarde puis il ouvre la porte pour son pote. Comme ça. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté encore un système qui va détecter. Ah oui, ça a fini par ouvrir parce que je me suis éloigné. Allez. Ok. Ce qu'on a fait, c'est que ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un système avec un truc qui détecte les joueurs. Il doit être là en bas, sauf erreur. Je suis plus sûr, mais enfin, il est grosso modo pile en dessous de l'emplacement où on est, où on se balade en haut pour où on risque en fait d'ouvrir la porte pour quelqu'un. Et ça permet de Donc typiquement si je suis juste là, c'est impossible, je ne peux pas, le système de bouton ne marche plus, point barre. Donc simplement la personne qui veut sortir, elle attend que l'autre soit rentré en ayant payé, puis après elle peut sortir. Voilà, horriblement compliqué, n'est-ce pas? Tac, mais moi je me suis bien éclaté quand j'ai fait ça. Donc ça fait plaisir. Alors, tac. Voilà, puis du coup, où est-ce qu'elle est cette piscine publique? On n'a pas visité, mon Dieu. On va commencer par la visiter, puis après on va vous montrer un peu où elle se trouve. Alors, Sésame, ouvre-toi. Merci. Yeah! On va juste regarder s'il y a des gens qui ont payé. Il y a déjà 110 pièces, donc il y a vraiment beaucoup de gens qui sont entrés pour voir, je pense. C'est cool, c'est rigolo, puis voilà. Alors, la petite piscine publique qui va bien. En fait, elle se. Donc, vous avez vraiment tout ce qu'il faut, hein. Donc là, c'est. Du coup, ça nous fait un emplacement pour les objets trouvés. C'est tout ce qui tombe, en fait, dans le système de caisse qui ne devrait pas y être. Ensuite, là, on a. Si c'est occupé, pourquoi est-ce que c'est ouvert? Voilà. Là, on a un vestiaire. Un autre à côté, etc., etc., etc. Et puis, il y a même des WC parce que c'est fun. Ouais! Ho, ho, ho! Il manque juste le lavabo pour se laver les mains quand même, hein, mais ça, bon, bah, tant pis, l'hygiène, on s'en flabla. De toute façon, on est dans une piscine publique. La direction avise les rescueurs qui se feront botter les fesses si l'occasion se présente. Merci beaucoup de prévenir, ça fait plaisir. Des petites douches. Je crois qu'on peut même les faire couler. Ouais, trop bien. Voilà, on prend la petite douche et plouf. Ok, et puis à côté, on a un bassin enfant. La direction décline toute responsabilité si votre enfant meurt noyé, est électrocuté ou est kidnappé. Mais alors, on se retrouve vers là où on était juste avant, hein. Là, on va commencer à faire un petit pont. J'ai encore un petit truc qui est un petit peu buggé là. Ouais, ce sera mieux comme ça. C'est juste une question de réglage en fait. Si on peut régler le différemment, puis à ce moment-là, on n'a plus ce genre de truc où ça fait un peu des vaguelettes. Je suis pas super fan. Là, ça peut encore le faire éventuellement. Ouais. Bon, on va garder ça comme ça pour l'instant. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Titine. Je vous présente ma nouvelle pioche en mithril. Et on va aller faire un peu de ménage par là pour se construire une petite route qui va bien. Qui va venir ici, passer par-dessus avec un pont. Et je pense qu'on va ensuite contourner tout ça. Donc là, on verra comment on se met. Je pense que ce sera avec des pilotis. On va essayer de faire quelque chose de vraiment sympa. Et après, on va remonter jusqu'en haut, là-bas derrière. Mais pour commencer, je pense qu'aujourd'hui, on n'aura pas le temps de tout faire, tout ça. Donc, on va déjà simplement faire du. Passer par ici. On va chuit, tracer tout ça. Ah, il y a Isatwix qui vient de se connecter. Salut à toi. Il vient de nous rejoindre. C'est. En fait, il nous a rejoint sur le serveur il y a à peu près 10 minutes. Ah. Ok, alors sur ce, je vais tracer un petit coup. Je viens de découvrir un truc rigolo là. En fait, j'avais une fois il y a longtemps mis des barrières sous du sable parce que j'étais parti miner de la craie et puis par-dessus j'avais rajouté une couche de sable. Et aujourd'hui, bah, je l'ai cassé. Et voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai déjà pas mal dégagé. Je vais continuer encore un petit peu. Et voilà, les amis, on se retrouve
J'ai un petit peu encore aménagé ici pour faire un petit delta, un truc où il y a toute la caillasse qui s'est cassée en morceaux, puis qui arrive là. Et après, qui se précipite au fond, il faut que je mette encore un peu de gravier pour faire bien. Sauf que pour ça, faut que j'enlève toutes ces petites algues à la main, c'est très long. Non, ça va en fait. Bref, tac. Alors, voilà. Mais là, ça donne pas mal du tout, je trouve. Ah non, il fait encore nuit là, c'est dégoûtant. Ça fait un moment que j'y suis, et puis je m'étais dit, waouh, c'est cool, il fait jour, je vais pouvoir faire la suite, la fin et tout. Ben non, que dalle, que dalle. C'est pas grave, on va vite aller faire un petit dodo. Ah, c'est le matin. Ok les amis, on se retrouve. J'ai dormi, le temps a passé, il a filé même. C'est pas grave, on fait avec, hein. Pas de souci. Alors, ça, je vais juste remplacer, ça sera plus joli. Voilà, donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va se donner une route donc qui va longer toute la côte là. Et elle fera 3 de large. Alors, elle aura sur sa droite vous voyez, un mur en briques comme ça. Hein, je vais pas. On va pas le faire maintenant, mais ce sera pour plus tard. Et par terre, je vais mettre une bordure de 1 bloc de large, tout simplement pour mettre. Là j'ai mis des petites herbes, mais ce sera peut-être qu'il y aura 2-3 buissons pour faire des fruits et puis des machins comme ça tout le long pour faire un peu plus joli. Et je pense que le mur sera un peu décrépit, donc on va rajouter 2-3 choses dedans, notamment des escaliers de briques pour faire des trous en fait dans le mur, tout simplement. Ça donnera quelque chose d'assez chouette. Mais pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir regarder par ici. Voilà. Alors ça, ça sera le point de départ en fait du pont. Sachant que j'aurai une route de 3 de large. Et là, je suis un peu coince-coince parce que je peux pas prolonger à l'infini ma plage en longueur. Hein. Vous voyez, c'est déjà vachement raide. Et d'un autre côté, là, j'ai un séquoia géant. Et ces trucs-là, à couper, c'est une véritable horreur. Donc je me suis dit, on va faire un pont de 2 de large. Et pourquoi 2 de large? Parce qu'il sera en diagonale en fait, donc on va avancer comme ça. Et 2 blocs en largeur, ça fait l'équivalent d'une largeur de route de 2,8 blocs, hein, avec notre ami Pythagore, pour ceux qui ça intéresserait. Voilà, enfin 2,8 en 2, la racine de 8. Ok. Alors, maintenant, notre pont, on va le faire avec des briques rouges. Je pense que ça peut être assez joli. Alors, tout simplement, tac. Alors, pardon. Qu'est-ce qui me bloque là? Un lapin. Un lapin tueur qui me bloque. Dégage. Merci pour ta viande. Allez. YOLO! Plouf. Ok. Alors voilà, on arrive à ça. Je vais enlever ces trucs-là. Hein. Sauf que pour l'instant, on a un pont qui a juste la bonne largeur, mais on tombe comme pas possible. Donc il va falloir le sécuriser un tout petit peu. Et en plus, le rendre plus joli, parce que c'est vrai que là. Bah, franchement, ça va comme base, mais il faut mettre quelque chose autour, un peu de couleur, autre chose, quoi. Alors, on va faire. Si je mets des briques comme ça. Non, mais. Too much brick. Il faut qu'on mette autre chose. On peut essayer avec des. Voilà, des stone tiles, ça va être joli, je pense. Je fais ça en mode complètement impro. Hein. J'ai pas réfléchi avant sur le design. J'aurais peut-être dû. Je vous l'accorde, des guitares. Pour que ça marche mieux. Et on va essayer de poser ces trucs-là à côté. What the? Dégage. J'aimerais faire un pont vraiment en arche. Juste une arche toute simple. Tac. Voilà. Ensuite, ça va venir comme ça. Et de ce côté-là, là, oh, plouf, voilà,
Nickel. Alors, là, on a 4, donc on va rajouter un étage comme ceci. Voilà, comme ça, oui, on peut toujours tomber. Ok, pas de problème. Maintenant, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va... On va prendre la scie circulaire, messieurs, dames. Attention au bruit. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire? Y a des blocs très sympas là-dedans pour faire un peu de déco. Finalement, ce qu'on va mettre, ce sera un truc tout simple en fait, si vous voulez. Même si vous voulez pas d'ailleurs. Hein. Tac. Alors. Oui, je suis en train de poser des blocs juste pour pouvoir mettre mes barrières comme il faut. Je sais qu'il existe le mode tournevis, hein, il n'y a pas besoin de me le rappeler. C'est juste que là, bah, en l'occurrence, ça se prête tellement bien à ça que ce serait plus long à faire au tournevis en cherchant désespérément la bonne position. Alors, on va les mettre comme ça, nos trucs. Tac, tac, tac. Enlève-toi. Méchante plante. Ok, et puis ici... Ouais, on va la mettre aussi. Je me dis peut-être pas besoin, mais en fait oui. Alors, tac. Ok, est-ce qu'on arrive? Oui, parfait. Voilà, et là du coup, tac, si on regarde, ça nous fait des petites barrières, bien comme il faut, sur le côté. Et ça cache pas trop la vue pour voir un peu la rivière qui coule. Après, bon, bah là-devant, il n'y a pas grand-chose à voir, et je pense qu'on arrive dans l'autre sens. Ouf, là qu'on regarde par rapport au pont, mais je pense que ça doit jouer, hein, a priori. A priori, ça ira pas mal. Tac, alors, je vais mettre l'autre côté, et on se retrouve juste après. Voilà, les amis, trop facile. Trop facile. Alors, bien sûr, faut que je mette un peu à jour par là, hein, quand même. Tac, tac, tac. Ah, mais j'ai presque plus de cobble sur moi. J'ai beaucoup de boxons, mais j'ai pas de cobble. Alors, c'est pas grave. On va aller comme ça, écoutez, hein. Tac. Et puis là, bah, je m'arrangerai pour mettre un poil plus de sable ici pour cette route-là. Mais pour l'instant, je vous ai déjà dit au début de l'épisode, hein, c'est pas la route la plus urgente. Hein. Parce que c'est pas ici que je passe le plus souvent. Moi, en fait, là où je vais devoir aller régulièrement, ça va être par ici. Parce que là, j'ai toujours mon entrée pour sous terre, sous ma grotte. Enfin, ma grotte, sous ma falaise. Yeah! Mais ça, ce sera à maquiller un petit peu. Hein. Je ferai ça ben, très prochainement, certainement. Avec un accès qui mènera directement juste là. Puis après, ben, on prend le pont et on est content. Yes! Alors, maintenant, magie du montage. Tadam! Ok! Ça, c'est cool, c'est fait. Donc, je me suis amusé un petit peu, j'ai fait le mur. Puis, comme je disais, je sais plus si je voulais passer ou pas au final, parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de records pour cet épisode. Et ben, j'ai mis des petits escaliers ici ou là pour juste pour rompre un peu la monotonie. Alors là, on va faire genre il y a un mur derrière. Hein. Voilà. Et comme ça, en fait, on enlève des briques. Et ce qui donne un effet que je trouve assez sympa. Ouais, alors là par contre, je pense que je vais trouver. Ouais, limite le gros trou comme ça. Ouais. Non, il faut mettre quelque chose. Il faut mettre quelque chose. Bon, bah, on va mettre une brique derrière quand même. De toute façon, on voit. Comme ça, on voit pas trop ce que c'est, mais ça fait plus du sable. C'est déjà pas mal. Ni de la dirt. Voilà, donc j'ai mis des petits trous ici et là. Ça fait genre vieux truc. Et puis, ben, j'ai planté, j'ai construit la route. Voilà. Et je suis content parce que franchement. Je trouve que ça a une sacrée tronche. Faut peut-être que je remette 2-3 trucs ici. Toi. Ah non. On va faire... Mais non! Là! Voilà! Nickel! Ça c'est fait. On va mettre 2-3 petits trucs comme ça aussi. Des petits buissons. Qui marchent bien. Voilà. Je verrai après pour l'éclairage. C'est pas encore intégré, hein. Peut-être que je mettrai des. Je pense que je mettrai des trucs souterrains avec des dalles pour masquer tout ça. Bah c'est vrai que malheureusement dans le coin on a vraiment besoin de lumière. Hein. Typiquement ici. Vous voyez, parce qu'il y a cet arbre au-dessus qui bloque complètement tout. Il est genre opaque en fait, machin. Voilà. Mais enfin bon. C'est pas grave. Oh. Vous avez vu?
Juste là-bas, il y a un petit, voilà, si je mets comme ça, un petit nyan de cat, c'est mignon. Enfin bon, ok les amis. Alors sur ce, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce de votre couleur préférée ou un commentaire, ça fait toujours très plaisir. Et puis ben, j'essaie d'y répondre en principe, hein. Et puis bah sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!